Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Donc, la dernière fois, là c'est calme en fait, je suis en train de kiffer. Voilà, ils dorment tous. Ah, oh, quel pied. Oh non, ça commence à broncher et puis il y en a une qui pue la mort, c'est Heidi. Bref, la dernière fois, on s'est quitté avec Frida. Qui a grandi, qui est un peu un garçon manqué. Oh, ma pauvre bichette. Les jumelles ont grandi aussi, mais pas à la dernière épisode, mais un petit peu avant. Et j'avais tenté le bébé supplémentaire, et c'est pas encore déclaré, mais voilà, les deux petites flèches rouges, pour moi, elles sont très explicites, donc Cybelle est encore en cloque. C'est vraiment histoire d'avoir le choix pour la génération d'après. Parce que j'étais pas trop ravie des têtes qu'avaient les filles, parce qu'elles étaient toutes bombées en même temps, et pour moi, elles avaient la même tête chacune. À voir, donc, hein. À voir. Cybellounette. Et voilà! Et voilà! Je vous l'avais dit. C'est infaillible, j'ai un flair. Nubu! Il est ravi, Louis. Hey, devine quoi? Tu m'as encore engrossé. C'est génial. Alors, voilà. Super. Tu vas après faire servir le petit déj avec des pancakes. Est-ce que Louis, il va pisser? On va s'y pisser. Frida, elle va aller à l'école dans une heure. Frida, alors, maintenant, on va avoir accès à l'étage. On va jouer avec l'étage, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Puisqu'on avait viré rapidement Enguerrand et Daria et Lorelai était mouru assez rapidement aussi pour pas qu'on utilise trop l'étage. Mais pour voilà, pour le coup. Maintenant que Frida a grandi, ben, ça sera occupé. Profites-en ma belle, parce que là t'es toute seule à l'étage, donc ça va être bien. Alors, qu'est-ce qu'il te fait ce toilette? Il te fait un massage des fesses? C'est quoi? Oui, j'ai envie de voir ce que c'est. Malax... Ah, punaise, en plus, c'est ça. Malaxage qui soulage. Prends une douche rapide, ouais. Malaxage qui soulage. T'aurais amélioré. Ce massage qui peut toujours virguler un assassin. Oh, c'est horrible. Lumière réconfortante. Se réveille près d'une veilleuse. Ah, c'est mignon. Ok. Et après, tu vas aller manger si t'as le temps. Moi, je suis pas sûre, remarque. Parce que... Après, c'est pas grave, tu iras bouffer à l'école. Hein. Parce que maman, elle met le temps pour faire les pancakes. Et même lui, il en a marre d'attendre. Mais non, non, tu viens là. Ah, mais ça m'énerve. Arrête! Voilà. T'es gentil. Bon, bah voilà. Va déjà aller à l'école. Si, c'est cool parce que... En fait, ce qui est bien, c'est que là, je vais lui faire rencontrer des amis. Et il y a de fortes chances qu'elle rencontre ses cousins, cousines, qui sont les enfants d'Adélaïde. Donc, on va pouvoir enfin les inviter à la maison et voir à quoi ils ressemblent. Qu'est-ce qui se passe Ah, le restaurant, oui. Mais alors, non, on ira avec Cybelle et Louis, mais en mode rancard, en fait, je pense. Ouais, bah écoute, mange ma belle, après tire aux toilettes. Pendant que les monstrosaures dorment encore. Alors, là, il y a le téléphone de Louis qui vient de sonner. Science étrange, au laboratoire, l'expérience de Frida a explosé, ce qui a mis le bazar et fait peur à un autre élève. Nous pensons qu'elle l'a fait exprès. Une punition scolaire est nécessaire. Mais what? Moment d'éducation terminé. Louis Gérard donnait des conseils à l'école de Frida pour gérer la situation. Les manières augmentent, l'empathie diminue. Ok. Je suis pas sûre que c'est ce que je voulais. Les manières augmentent, l'empathie diminue. Ouais. Ouais, bah on verra. Hein. Moi, je commande juste mon apprentissage moi-même dans l'éducation de mes Sims. Hein. Allez, ma belle, tu vas faire ton bouquin, s'il te plaît. Parce que là, on gagne pas beaucoup. Hein. Oh,
Oh, la pauvre petite Heidi est absolument cradingue. Oh, elle pue. Tu pues la mort. Ouais, mais je t'ai demandé de demander un bain, en fait. Ça marche? Apparemment, ça marche. Tenir, faire un câlin. Oui, non, alors. Ici, il me fait. Tenir. Poser. Non, mais qu'est-ce que tu fous, gars? Oh là là, c'est pas possible. Il va lui donner un bain là-haut? Bah d'accord, oui, si tu veux. Écoute, il y avait une baignoire juste à côté, mais... Si tu veux, quoi, il n'y a pas de souci. Super, mais c'est pas possible. Tu vas demander... Mousse. Papa. Mousse, papa. Papa, je veux de la mousse. Popo. Ben, j'ai de la mousse, papa! Excusez-moi, hein, je pète complètement un boulon. Eh bon, hein? Il faudra pas que j'oublie de lui faire faire quand même bosser la pêche à Louis, parce que bon, faut quand même qu'il nous rapporte de la thune, hein, il va pas s'occuper normalement des gosses. À la place de Cybèle, hein. Mais bon, quand même, il a pas de boulot. Et elle, je la fais bosser sur ses bouquins. Mais bon, pour l'instant, il s'occupe des gosses, quoi. Youpi! Heidi apprend à aller sur le pot. Elle a fait déjà... Voilà, des bons petits prouts, bien odorants. Et bien musicaux, aussi. Hein. Oh! C'est quand même dégueulasse, hein. Mais c'est bien, ils ont bien fait. Hein, c'est... Au moins, c'est réaliste, un petit peu, quand même. Oh, l'arrête pas, c'est dégueu. Bon, tu sais, cocotte, après, tu pourras manger. Voilà. On a bien refait ton éducation. On t'a lavé, on t'a appris à aller au pot, et comme ça, c'est pas mal. Toi, par contre, aussi, tu vas... Oh, bah, il nettoie, c'est bien. Tu vas demander à aller au pot à papa, vu qu'il est là, il est dispo, frais et dispo, il va enchaîner les cacas. C'est bien. Maman, pendant ce temps-là, continue à bosser. Parce qu'il nous faut de la thune, hein? Hop, compétence pot, c'est parti. Bon, alors pendant que papa fait toujours. Apprend toujours à faire caca à sa fille, Cybèle a commencé son nouveau bouquin, niveau 6 de la compétence écriture. Ah, on va pouvoir commencer à avoir des trucs de qualité. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, manque de confiance. Elle est chiante, hein, quand même. Hein. Bon, allez. Voilà, t'en peux plus, c'est dégueulasse. Ça y est, elle fait enfin son pipi caca. Elle pourra enchaîner avec le manger. Oh là là, tu nous fais quoi, Cybèle, là? Tu fais une grimace à ta fille? Trop. Ah ouais, c'est marrant. Eh, moi aussi, je veux voir, vas-y! Fais voir la grimace. Comment elle gueule. Ça y est, elle lui fait plus! Oh, mais c'est pas juste aussi. Mini journée. Tu peux refaire une grimace? Je pense que c'est dans drôle. Faire des grimaces. C'est mignon. Merci d'avoir appuyé sur mon bouton. D'accord. Ah oui, Frida est rentrée. Cool. On va pouvoir. Oh, elle est malade. Non, bah tu vas faire une petite sieste, Frida. Vas-y. Ah là, je vois la grimace là, Cybèle. Tu me gâches. D'accord, bon, bah elle a laissé tomber. Tout va bien. Bon alors les filles, elles vont plutôt bien. Elle va manger. Elle va bien. Elle joue. C'est cool. Elle va faire une sieste tout nette. Elle est malade, la pitchoune. Bon, on pourra peut-être acheter des médocs si ça va pas mieux. Toi, tu vas bien aussi, tu vas aller courir un coup. Et tu vas aller de nouveau faire le tour du quartier, récupérer des conneries. Et tu vas aller pêcher encore et toujours, puisque voilà, il faut que tu récupères. Des trucs intéressants voilà, pour ton aspiration et tout, et puis qu'on récupère des poissons qui valent bien cher, voyez-vous? Ah oui, puisqu'il est en mode. Il court, quoi. Allez! Allez, beau gosse. Cours, mon beau. D'accord. On t'admire, vas-y. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
Enfin, non, tu vas te faire engueuler, toi, je te le dis. Attends, éducation, disciplinée, ferme. C'est... Elle a foutu du merdier partout. Ah, saloperie de gosse. Ah. Depuis le temps que je vois ça dans tous les let's play, moi je l'avais pas encore eu. J'étais contente. En plus, ça se marie pas le marron avec le violet, quoi. Eh, contente. Eh, connasse. Dégage, va jouer, va faire une sieste, tiens, tu nous foutras la paix. Hop, va faire une sieste. Voilà. Ah, mais franchement, les gosses, hein, moi je vous dis. Ouh, si belle, elle va crever. Elle va nous crever dans les pattes. Tu vas faire un serviette à dîner. Oh, boulette de viande à l'italienne. Ça me donne envie, ça me donne faim tout ce merdier, moi. Ouais, elle va toujours pas bien. On va lui acheter un petit médoc. C'est ça, c'est commandé. Oui, excuse-moi, Daria. Tant pis. Un médicament. Allez, 50 simflouz. Tu vas me coûter une blinde. On va te le donner. Voilà. Et vas-y, tu peux prendre ça et tu vas faire aussi tes devoirs. On a Louis en mode archi-crado qui creuse pour trouver des trucs, quoi. Mais bon, ça paye, hein? Enfin, j'espère. Oh oui! Il a quand même trouvé des trucs sympas. Hop. Moi, je dis, on a besoin de sous, les enfants. Une grenouille, on va la faire reproduire. Hop, encore une truc, machin, truc, miche, miche, muche. Du G140! Oh là là. Hop, hop, hop. Oh, allez, on vend tout. Les grenouilles, on garde parce qu'on va pêcher avec et je pense que c'est déjà pas mal. Et tu vas pouvoir rentrer à la maison après, Louis. Trop bête! J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête, qu'en penses-tu? Persévère, on s'améliore en pratiquant, concentre-toi sur les autres matières. Bon. Alors, ok. Responsabilité augmente, contrôle des émotions diminue. Très bien. Bon, je sais pas trop, oui, mais d'accord. Toi, tu vas après aux toilettes. Et tu vas manger. C'est marrant, j'aime bien les petits trucs d'éducation comme ça. Passer un savon. Non, on va lancer là, c'est tendre. Ah oui, c'est mignon les petits trucs. Les petits plus là. Voilà, on a encore reçu des cadeaux. C'est cool, hein? C'est très très cool. On va aller en mettre foutu là. Bah ça, je m'en revendrai. Franchement, il coûte 100 balles, hein. On va pas se cracher sur des cadeaux, quoi. Ok, t'as compétence 2, c'est super. Mais tu sais quoi, tu peux aller peut-être te coucher. Alors, qui c'est que... Fauve. Non, on va pas en boîte de nuit. Ah, puis t'es malade et tout. Les bonnes manières, c'est nul. Apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Mais disons que t'es en très bon état, ma petite. Tiens, tu vas jouer un peu avec ça. Jouer avec émotion. Ah non, tu vas jouer avec émotion. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ouais. Si t'es pas trop fatigué à 23h30, qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez. Tu vas regarder quoi? Tu vas regarder ta fille, elle est dehors? Qu'est-ce qu'elle... Oh là là! Qu'est-ce qu'elle fout en dehors de la maison, cette conne? Non, tu vas pas te mordre. Aide. Couche, non. Dans tes bras. Mousse. Oh. Aide pour le livre. Bon, non, bah tu sais quoi, Louis, tu vas coucher ta fille. Voilà, il sera à Heidi pour l'endormir. Ça, c'est fait. Heidi! Tu vas pas babiller, tu vas pas boire. Tu vas être de coucher. Il est très tard. Pour une petite fille de ton âge, ça ne se fait pas. Ta 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 ta, tiens, il y a une assiette à jarter dans la poubelle magique. Hop, 50 simflouz de plus. C'est bon, toi, là, t'arrêtes avec le... Yes! Encore un bouquin fini pour Cybelle. Eh ben, tu peux le mettre de suite chez l'éditeur, ça nous fera
Du pognon en plus, ça c'est bon ça. Après, elle est crevée, donc bah elle ira dormir. Puis il est minuit, donc c'est plutôt pas mal, Louis. Ah bah oui, tu vas lire ta petite histoire. Elle va dormir. Elle dort déjà. Elle s'amuse. Ah, on est samedi, y a pas école. Bon, bah c'est cool. Ouais, l'autre, elle regarde, je sais pas quoi là. Regarde, il y a un clip. C'est marrant, j'ai jamais vu ça. Ça doit être une nouvelle chaîne avec. Peut-être c'est quoi? Préado, ah bah non. J'avais jamais fait attention, je pense. Bon, bah voilà quoi. Puis t'iras te coucher après, ma belle, quand même, parce que. On va pas rester éveillée toute la nuit, hein. Demander à Louis de m'endormir. Bah non, tu veux, t'es une grande fille. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Voilà. Ben toi aussi, tu peux aller te coucher, effectivement. Allez. Dos tout le monde. Et voilà. On va terminer là-dessus. Ça aura pas été un épisode non plus très très ouf, hein, mais voilà, on a avancé un petit peu. On sait juste que Cybèle est de nouveau enceinte. Et que bah elle accouchera très très bientôt. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite du Uclick to Beauty Legacy Challenge avec notre petite famille. Allez, salut!